بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين في البداية اسمحوا لي العبر على السعادة ديالي للتواجد في هذا المهرجان وفي هذا الندوة ونوجه الشكر حار لجمعية مونيا وإلى رئيسها الصديق العزيز مولاي جعفر الكنسوسي على الدعوة من أجل المساهمة في هذه الندوة ومن خلال إشراك جمعية ذاكرة الدكالة في هذه الندوة الهامة. وأعتقد أن على كل حال حنا في جمعية ذاكرة الدكالة تنطلب بالمزيد من التعاون مع جمعيات مونيا والجمعيات المماثلة للحفاظ على التراث اللي مجموعة الآن في ائتلاف ذاكرة المغرب. Mais nous avons l'immense plaisir d'avoir parmi nous Sir Ramdan Khalid, professeur émérite et ingénieur spécialiste en géotechnique parasismique d'Oujda, qui va prendre la parole dans un premier temps concernant un projet de guide parasismique des constructions en matériaux locaux et en béton armé. Donc nous serons très attentifs à ce qu'il va nous dire. Nous allons écouter Madame Leila Skhli, architecte de Fès, concernant un projet de logement chez l'habitant dans les villages de l'Atlas. Et nous allons également écouter Simajid Mansour, universitaire environnementaliste, professeur à l'école d'architecture, liaison de Rabat, concernant les bonnes pratiques de durabilité dans les médinas. Et peut-être nous allons écouter quelques retardataires, s'ils arrivent, si Rachid Houda, si Abdeslam Dam aussi, s'ils arrivent. Donc, sans plus tarder, je vais donner donc la parole à Sir Ramdan Khalid. Ça serait bien qu'on tienne les interventions dans un espace, disons, de 15-20 minutes, hein, pour laisser la place à l'interaction, disons, de la salle et préserver un peu le côté interactif de notre rencontre. Tfaddal, Sir Ramdan. Merci, Monsieur le Président. Je pense que j'ai déjà eu l'autorisation de déborder un petit peu en parlant avec Sir Jafar avant. Et, au nom de l'Association des ingénieurs de l'École Mohammedia, je vais présenter un projet de guide de bonne pratique pour les constructions parasismiques en maçonnerie et en béton. En fait, c'est un projet. Nous sommes encore en train de travailler dessus. Alors, mais ce que je voudrais dire dès le départ, que le Maroc n'est pas préparé pour faire face aux catastrophes naturelles. C'est un domaine très vaste qui implique en premier lieu les réseaux vitaux, c'est-à-dire les routes. Vous avez vu, la route a été bloquée, donc les ponts, les hôpitaux, la protection civile, les bâtiments des responsables, les lieux publics, etc. Tout, c'est ce qu'on appelle en anglais « lifeline ». Donc c'est un gros chapitre. Il y a l'éducation, et il y a les constructions. Et nous sommes donc concernés par les problèmes de construction. Bon, pour être préparé pour faire face aux catastrophes naturelles, ça demande des décennies. Il faut donc commencer. Alors, je voudrais commencer par dire qu'au Maroc, on a de petits séismes. Agadir, il y a un séisme presque tous les jours dans le monde et on n'entend même pas parler. Mais chez nous, ça a fait 12 000 morts, 12 000 blessés. Donc, ce n'est pas un problème de gros séisme ou de petit séisme. C'est un problème de vulnérabilité des bâtiments. Désolé de dire qu'au Maroc, on ne sait pas construire pour résister au séisme. On ne sait pas. Alors, évidemment, le guide que nous allons présenter
ne remplace pas les règlements parasismiques. Je le sais très bien, puisque le premier règlement parasismique, c'est moi-même qui l'ai rédigé. Alors, parce que les règlements parasismiques, lorsqu'ils ont été appliqués dans le monde entier, ont été très efficaces. Mais le guide ne remplacera pas, évidemment, le règlement parasismique. Et il est destiné aux gens qui n'ont pas accès, aux architectes, aux ingénieurs, etc. Et donc la majorité des constructions qui se sont effondrées, ce sont ces constructions-là. Alors, que contient ce guide ? Ce guide indique les bonnes pratiques de construction de manière générale, et construction parasismique en particulier. Il est basé uniquement sur ce que nous avons observé durant les trois séismes que nous avons à Agadir, Al-Husayma, et aujourd'hui le séisme d'Al-Haouz. Alors nous avons observé que en maçonnerie, il y a environ 5 erreurs qui causent la majorité des effondrements. Et en béton, c'est un petit peu la même chose. Il y a environ aussi 5 erreurs. Donc nous avons pensé que peut-être la meilleure des choses, ça serait d'étudier ces erreurs et montrer, non pas aux ingénieurs, puisque nous les ingénieurs, on parle, on discute entre nous, on s'en va. Ce qu'il faut, c'est montrer ça aux maçons, aux ferrailleurs, aux autoconstructeurs. Donc il faut faire un guide. Le règlement parasismique, c'est très bon, mais il est très éloigné de ces gens-là. Donc il faut faire quelque chose. Un guide très simple qui explique de manière claire le problème et sa solution. Alors nous allons essayer. Alors, voilà. Alors, mais le but ultime d'un guide, c'est d'aider notre pays à se préparer pour faire face aux catastrophes naturelles. C'est le plus important. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous revenez à l'histoire chinoise, vous remarquerez que la majorité des dynasties, lorsqu'elles ont disparu, c'était à la suite d'un grand séisme. Parce qu'à la suite d'un grand séisme, alhamdoulilah, au Maroc, on sait comment, jusqu'à présent, on a su comment réagir et tout le monde est déjà calme. Mais une grande catastrophe naturelle peut causer un grand désordre dans le pays et tawhid ma bari tkoun fouda fi le bled. وهذا اللي خصنا نوجدوا له راسنا ان شاء الله. هذا هو la philosophie de notre guide. Alors c'est Jafar m'a demandé de puisque on y est, au lieu de parler juste du guide, nous allons un peu quelle est la place de ce guide dans le vaste domaine du génie parasismique. C'est juste pour donner, parce qu'il y a beaucoup de confusion. Alors, le génie parasismique, il y a en premier lieu l'architecture parasismique. Bon, je ne vais pas parler de ça, il y a pas mal d'architectes qui pourront faire ça, mais je vais juste citer quelques exemples qui ont été la cause d'effondrements au Maroc, des problèmes architecturaux. Bon, il y a le sismologue. Alors, qu'est-ce qu'il fait le sismologue? Il mesure la magnitude, l'épicentre, et surtout il donne aux ingénieurs un accélérogramme pour déterminer des forces sismiques pour faire les calculs. Et après, avec le géologue, ils déterminent le risque sismique, ils établissent des cartes. Et puis il y a la géologie, le géologue. Alors son rôle est moins connu, alors que c'est probablement le plus important dans le domaine du risque sismique. Pourquoi? Parce que le sismologue n'a pas beaucoup de recul, on mesure les séismes avec les appareils depuis un siècle. Mais un siècle, en géologie, c'est une seconde. Alors que le géologue, lui, il a des millions d'années. Il va, lorsqu'il y a un séisme, le séisme laisse des traces. Et donc, la technologie des géologues consiste à déterminer les magnitudes aussi. Il faut savoir que la technologie qui a été utilisé par Richter lui-même, ne mesure que les séismes qui ont une magnitude inférieure à 6,5. Au-delà, il y a une saturation,
Parce que lui, comment il fait? Il mesure les déformations du sol et il dit plus la déformation est grande, plus ce n'est pas le cas quand le séisme devient très grand, les rochers n'ont pas la même résistance, etc. Donc ça se sature. Et ce sont les géologues qui ont des techniques et des technologies, je pense qu'il y a des géologues ici, qui nous donnent la magnitude. Et ils ont un recul de millions d'années. Ça veut dire qu'ils peuvent nous dire que tel séisme de magnitude 7, par exemple, il revient tous les 500 ans ou tous les 1000 ans. Mais le sismologue ne peut pas dire ça. Donc tous les deux, ils travaillent pour faire une carte de risque. Et puis, il y a la dynamique de structure. Ça, c'est plus connu. C'est l'ingénieur de béton armé, etc., qui utilise les données pour le calcul de structure. Et puis, il y a la géotechnique parasismique. Bon, ça, c'est moins connu. Alors que les effondrements sont souvent dus, justement, à l'effet du sol. Je vais vous donner un exemple très connu dans le monde entier. C'est le fameux tremblement de terre de Mexico. Chez les gens du génie parasismique, on dit avant Mexico et après Mexico, parce que c'est là où on a appris beaucoup de choses. Alors ça, c'est un séisme qui a eu lieu dans une ville qui s'appelle Campos, qui est située à 400 km de la ville de Mexico. Alors là, la vague a voyagé, et au fur et à mesure qu'elle voyage, elle perd de sa puissance. Et en arrivant au bord de Mexico, la partie jaune là, qui est Mexico, et sur cette partie jaune, là, vraiment, disons, les accélérations étaient très petites, elles étaient amorties. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le contenu fréquentiel, parce que ça dépend de la fréquence, a complètement changé. Et comme par hasard, il est similaire à la fréquence propre de cette argile au-dessous de la ville de Mexico, il y a eu une amplification, et comme vous le voyez en haut, le résultat est plus fort que à côté de l'épicentre. Mieux que ça, je n'ai pas une autre figure que je dois avoir ici, c'est que la fréquence propre, parce que le contenu fréquentiel a changé, il y a le phénomène de résonance, vous en avez entendu parler, donc la fréquence propre de ce séisme mesuré à la surface du sol, malheureusement, elle est similaire à la fréquence propre des bâtiments et la majorité des bâtiments du gouvernement. Ce qui fait que ça s'est multiplié par, je ne me rappelle plus les chiffres, mais par 10. Donc, voilà, donc ça c'est la géotechnique. C'est les géotechniciens qui s'occupent de ce genre de choses. Le sisme de magnitude 5, 6, 7, bon, ça a de l'importance, mais il n'y a pas que ça. Ça s'amplifie au fur et à mesure. Chaque endroit, il y a un sisme différent. D'ailleurs, voilà une diapo qui... Attendez, non, c'est pas ça. Ah, je ne l'ai plus. Mais bref, je voulais juste montrer que des enregistrements du même séisme, lorsqu'ils sont enregistrés à différents endroits, sont complètement différents. Alors, on pourra parler plus tard de ça, si vous voulez continuer. Alors, quel est le rôle du géotechnicien? Tout d'abord, il réalise la coupe du terrain. Ici, vous avez le rocher et l'argile comme exemple. Alors, lorsque les sismologues enregistrent l'accélération, ils l'enregistrent sur le bedrock et non pas sur les sols meubles, parce que les sols meubles, ils varient d'un endroit à l'autre, alors que le bedrock, lui, il est similaire sur une grande surface. Alors, le géotechnicien, lui, il prend cette vibration, il la met au-dessous de l'ouvrage et il la fait passer dans le sol, comme l'ingénieur de structure l'a fait passer dans sa structure, l'ingénieur de sol. Autrement dit, le sol fait partie de la structure. Et fabrique le nouveau accélérogramme, le nouvel accélérogramme. Et lorsqu'il a fabriqué cet accélérogramme, c'est ça qu'il donne à l'ingénieur de structure. Et l'ingénieur de structure le fait passer dans son bâtiment, et comme vous voyez, chaque fois, ça change. Et avec ça, il détermine les efforts et dimension son ouvrage. Voilà à peu près, si vous voulez, le rôle des différents partenaires. Ah voilà, c'est ça. Ça, c'est un séisme qui a été enregistré, c'est le même. Enregistré dans différents endroits. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle un spectre de réponse. Mais vous voyez ici, c'est très, très différent. Bon, il y a d'autres problèmes dans le domaine de la géotechnique. C'est ce qu'on appelle la liquéfaction. Lorsque vous avez un sol saturé, sableux, au bout de deux ou trois cycles, ça y est, le sol se liquéfie, il perd toute sa résistance
et les bâtiments peuvent s'enfoncer. Bon, on n'a pas beaucoup ça au Maroc, mais voici une ville au Japon qui s'appelle Niigata. Donc ça, c'est le tremblement de terre du tremblement de terre du Niigata 1964. Les bâtiments se sont enfoncés dans le sol. Voilà donc à peu près pour avoir une idée des différents intervenants. Mais les techniques que je viens de décrire, ce sont des techniques qu'on utilise pour les projets complexes, comme les centrales nucléaires, les constructions qui ont une forme inhabituelle, les règlements parasismiques ne suffisent pas. Et donc un calcul dynamique, comme je viens de décrire, est nécessaire pour les ouvrages complexes. Maintenant, les règlements parasismiques sont destinés à faciliter justement les calculs des bâtiments simples, juste les bâtiments simples, pour les ingénieurs non spécialisés en génie parasismique. Mais il y a d'autres règlements, il n'y a pas que les règlements pour les bâtiments, il y a des règlements pour... Nous, on n'en a pas malheureusement au Maroc, mais il y a des règlements pour les réservoirs, les ponts, les réacteurs nucléaires, etc. Donc, il faut peut-être faire aussi ces règlements au Maroc. Alors, que contiennent les règlements parasismiques? Les règlements parasismiques ne servent pas à calculer les bâtiments, ils servent à déterminer les efforts des séismes. Et les ingénieurs prennent ces efforts, et ils utilisent les règlements du béton armé, etc. Ils calculent les ouvrages. Alors, donc là, revenons à nos moutons, le guide. Alors, le guide, nous avons donc dit qu'on a constaté qu'il y a 5 problèmes, donc 5 bonnes règles de pratique pour la maçonnerie. Je vais y revenir sur chacun d'eux rapidement. Et il y a 5 règles pour le béton armé. Nous pensons que si ces règles sont appliquées par les maçons et les ferrailleurs, peut-être que 95% au moins des constructions ne connaîtront pas d'effondrement, puisque nos séismes sont très petits, y compris celui-ci. Les séismes qui ont une magnitude 9 sont des milliers de fois, enfin des centaines de fois au moins, supérieurs à celui-ci. Bon, c'est un séisme puissant. Mais peu importe, puisque de toute façon, le séisme, il change d'amplitude, etc. Alors, la maçonnerie, voilà comment on construit au Maroc. Voici un schéma, l'animation. Ils mettent une première rangée de pierres, là où vous avez à gauche, une deuxième rangée, et au milieu, ils remplissent avec des débris. À droite, vous avez la... Vous avez une photo qu'on a prise à El Hosseima et qui montre exactement ça. Et qu'est-ce que ça cause? Ça cause une zone de faiblesse au milieu du mur. C'est comme ça qu'on construit au Maroc, dans la plupart des cas. Alors, les conséquences, c'est quoi après un séisme? Ça, il y a un flambement, un gonflement, si vous voulez. Ça, c'est un carré à El Hosseima. Ou bien, il y a une séparation du mur en maçonnerie. C'est très courant. La photo a été prise à Al-Husseima ici. Bon, cette photo-là, c'est un monsieur qui me montrait justement sa petite fille-là qui était, après le séisme d'Al-Husseima, comment elle était enterrée. Lui, par hasard, il est sorti au moment du séisme. Par hasard, vraiment par hasard. Et la maison en maçonnerie s'est écroulée sur je pensais que c'était vraiment dramatique. Alors, quelles sont les bonnes règles pour éviter l'effondrement des murs en maçonnerie? Premièrement, la conception. Il faut conférer au mur une continuité volumétrique, sans ligne préférentielle de fragilité. On va voir ça. Alors, premièrement, ça, nous sommes... Donc, Monsieur le Président, nous n'avons pas inventé. Nous appliquons ce qui marche, ce qui a marché ailleurs. D'accord, c'est ça que... Alors ça, c'est le règlement hindou, et ils utilisent ce règlement, et ça fonctionne bien. Les constructions en maçonnerie ne s'effondrent pas. Donc on met un... Voici le mur en élévation à gauche. Tous les 60 cm, 70 cm, on met un parpaing. Un parpaing. Ça, c'est la première. En plan, c'est la même chose, mais tous les 1,5 m, 1,25 m, on met la même chose. Et puis on met une pierre qui a environ 1,5 fois la largeur du mur dans le coin, dans les fondations. Et la deuxième chose, c'est la pose en quinconce des pierres, le cheminement de joint. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsqu'il y a un joint, il ne faut pas qu'il tombe sur un autre joint. Vous avez une pierre, il faut que ça tombe sur une pierre. Bon, c'est des règles ce n'est pas des règles parasismiques.
C'est des règles normales que les architectes apprennent à l'école. Donc il y a une règle parasismique parmi les cinq règles qu'il faut appliquer. On n'applique pas les règles de maçonnerie. Alors, si vous regardez la Koutoubia, les règles de maçonnerie ne sont pas respectées. Pourtant, elle a tenu, mais pour beaucoup d'autres raisons. Alors, une autre règle, c'est que les joints doivent être faits de part et d'autre de l'axe du mur. Vous voyez, les joints de maçonnerie ne doivent pas être dans l'axe parce que ça aussi, ça pose un problème. Et puis surtout, il faut un enchevêtrement de la maçonnerie dans les coins. Alors, je vous fais voir l'autre photo que j'ai déjà montrée, mais vous voyez ce bâtiment à droite, il a tenu, il ne s'est pas effondré. Pourquoi? Parce qu'il respecte une toute petite règle, c'est l'enchevêtrement dans le coin. Et la même chose de cette petite chaumière en terre, qui respecte aussi une petite règle à Al-Husayma, elle a tenu mieux que les bâtiments en béton armé. C'est dire quoi? Que nos cellules sont vraiment petits. Dès que vous respectez, petit chouïa, ça tient. Alors évidemment, les joints sur plus de deux pierres sont à éviter. Ça, c'est une zone de faiblesse. Il ne faut pas non plus utiliser les pierres rondes ou les pierres fracturées. Bon, cette figure montre la décroissance et la vulnérabilité au séisme. C'est-à-dire que des pierres taillées sont mieux que les moellons, les briques en terre sont mieux que les pierres taillées, et les briques avec une bande sismique. Alors ça, c'est nouveau, c'est ça que je vais parler. Ça, c'est encore meilleur, la bande sismique. Alors, voici l'effondrement des murs sans contreventement. Alors ça, c'est un cas très fréquent à Al-Husayma. C'est un mur, comme ici d'ailleurs, qui part. Alors, pour essayer d'expliquer ça, quand vous avez une ancienne lame de rasoir, vous la pliez, elle se plie. Mais si vous essayez de la plier dans l'autre sens, elle ne se plie pas. Pourtant, c'est la même lame. Pourquoi? Alors, c'est un peu ce même phénomène qui se passe ici. Celle qui est perpendiculaire à l'effort sismique. J'ai fait une diapo sur un Kleenex, je vous la montrerai. Voilà un autre exemple. Voilà. Sur le mur A, c'est une lame de rasoir qui est perpendiculaire à l'effort sismique, elle se plie. Et c'est pour ça qu'il y a eu ce mur qui tombe. Ici à Marrakech, vous avez ces cas-là. Alors que le mur B, la lame de rasoir qui est là-bas, l'effort est parallèle à la lame, ce mur-là, il est résistant. Et c'est lui qui doit tenir l'autre. On va utiliser cette idée pour que le mur qui va tomber utilise la résistance de l'autre et vice-versa. Alors donc il faut une bande sismique, c'est celle que vous voyez dessinée là, on appelle une bande sismique. Alors qu'est-ce que c'est qu'une bande sismique? Voici en plan, c'est un chaînage d'une dizaine de centimètres par plus, et on met deux ou trois armatures qui sont bien évidemment liaisonnées entre elles. Ce qui fait que lorsque le séisme pousse d'un côté, il se trouve ancré de l'autre côté et il résiste. C'est comme ça que les normes hindoues font pour faire résister leur construction. Alors, vous avez parlé du règlement en terre au Maroc, ce genre de règlement. Beaucoup de règlements proposent justement qu'il y ait un chaînage au niveau du plafond. La magie, justement, de cette bande sismique, c'est ça le point le plus fort, si vous voulez, dans cette technologie, c'est que si vous la mettez au niveau des linteaux, elle va éviter d'abord plein de problèmes de fissures, etc., parce que les endroits fragiles comme les coins, etc. Mais c'est surtout que si vous la mettez là, il va y avoir dessus un poids. Alors, il n'y avait pas de poids, si vous la mettez sur le plancher, ça va glisser assez vite. Mais par contre, si vous mettez une force dessus, ça va frotter beaucoup plus. Et donc, c'est un ancrage du mur perpendiculaire à la force du séisme. Et donc, je pense que cette bande sismique est une bande magique pour les maçonneries. Alors, si vous ajoutez à ça l'enchevêtrement au coin, etc., vous obtenez un bâtiment de maçonnerie qui tient. Voilà un exemple en Inde.
ce séisme fait 5 fois l'énergie de Al-Husayma, et pourtant ça a tenu. Et il est similaire à celui d'Al-Husayma, pardon, 5 fois le séisme d'Agadir, et 1 fois le séisme d'Al-Husayma. Bon, ça, c'est des photos que j'ai prises sur l'Internet pour observer est-ce qu'ils respectent les règles de maçonnerie. Bon, ça ne se voit pas beaucoup, mais ils respectent beaucoup de fois, si vous voulez, ces histoires de joints, etc. Bon, ça, c'est plus raffiné encore. Voilà donc les 5 règles pour la maçonnerie, et je pense que si vous faites ça, ça va tenir. Alors maintenant, pour le béton armé. Ça, c'est une photo qui a été prise par professeur Clough de l'Université de Californie, Berkeley. Il est le meilleur dans le monde. C'est lui qui a inventé toutes ces méthodes de calcul, méthodes éléments finis, etc. Il est venu à Agadir, mais on n'a pas beaucoup son rapport, on n'a pas beaucoup lu, on n'a pas beaucoup vu. C'est l'association des cimentiers américains qui l'avait envoyé. Et il y a 60 ans, mais son rapport, si vous le lisez aujourd'hui, et vous êtes spécialisé en génie parasismique, c'est comme s'il l'a écrit aujourd'hui. Il était vraiment en avance. Et donc, la remarque qu'il fait, bon, ce bâtiment-là, qui, voilà comment il était, il y a la carte postale en haut, pardon. Voilà. Alors, ça s'effondrait comme un château de cartes, comme vous voyez. Ça, c'est les différents planchers à droite, qu'est-ce qu'ils sont devenus après le séisme. Et la raison, c'est justement, il n'y a pas de connexion entre les poteaux et les poutres. On construisait un étage, on mettait le plancher, et on allait au-dessus, on mettait d'autres poteaux, et ainsi de suite. Lorsque les efforts horizontaux du séisme sont dimensionnés pour les efforts verticaux, mais lorsqu'un séisme vient, donc c'est pas parce que le séisme est grand, c'est parce que les constructions... Alors moi, ce que je crains, c'est que, puisque les constructions étaient construites en même temps que ceux de Casablanca, de Rabat, ça doit être vraiment similaire. Donc, bon, c'est des zones plus stables au niveau séismique, mais s'il arrive une catastrophe ou un séisme, bon, on peut craindre des choses similaires. Alors, Al-Husayma, on voit des choses similaires. Voilà, ça, c'est une photo qui a été prise à Al-Husayma. Pas de connexion entre les poteaux et les poutres. Alors là, on montre tout simplement où est-ce qu'il faut renforcer au fer ailleurs. Il faut donc resserrer les pardon. Bon, c'est technique, donc c'est un schéma qui explique comment on fait. J'ai essayé avec un ferrailleur, il comprend très bien ça. Quand je construisais ma maison, il a vite compris, et il a fait ça. Alors, voilà un problème qui s'appelle le problème de ductilité. Bon, c'est un mot ronflant, difficile à expliquer sur le plan, sur le plan théorique, mais en pratique, c'est quoi? Vous remarquerez que les poutres sont beaucoup plus épaisses que les poteaux. Quand vous voyez un bâtiment comme ça, il ne résiste pas au séisme. Pourquoi? Voilà pourquoi. Vous avez ici le bâtiment de droite qui a des petits poteaux et des grandes poutres, comme celui que je viens de voir. Et à gauche, l'inverse, gros poteaux par rapport aux poutres. Alors, lorsque les poteaux sont faibles, lorsqu'un poteau se casse, c'est tout le bâtiment qui s'écroule et il tue. Par contre, si c'est la poutre qui se casse, c'est local. Vous pouvez même réparer quelquefois. Mais en tout cas, il ne tue pas. Et c'est pour cette raison que c'est une règle capitale. Pour les autoconstructeurs, tout le monde doit savoir ça. Alors, un autre problème que nous avons observé partout, à Agadir, Al-Husayma, et ici, c'est le problème de remplissage. Donc, à gauche, vous avez un bâtiment en béton armé, et vous avez un cadre qu'on a agrandi à droite. Lorsqu'il y a un séisme, les efforts se concentrent dans les coins, et l'effort se transmet directement d'un coin à un autre, et puis il y a une fissure croisée. Et lorsque, évidemment, le séisme fait comme ça, donc quand ça revient dans l'autre sens, ça fait un X. Et ça, on l'a beaucoup vu à Al-Husayma. Il y a beaucoup d'X à Al-Husayma. Alors, les efforts se concentrent sur le pilier en bas. Et qu'est-ce que ça donne? Bon, celui-là, il ne s'est pas effondré.
ولكن عرى على شنو كاين تم. Vous avez vu que les étriers sont très espacés. On aurait, il y a des bâtiments qui se sont effondrés. Voilà un autre cas. Vous avez vu les étriers, ils sont très espacés. Là, il suffit juste de serrer les étriers. Avec 50 dirhams, vous allez sauver un immeuble. 50 dirhams en plus. Bon, ça, c'est les détails techniques qu'il faut pour montrer un ferrailleur. Il comprend très bien ça. Et puis, il y a un autre problème très courant. C'est ce qu'on appelle poteau court. Alors, en une seconde, après que le séisme a lieu, tous les poteaux courts de la région sont déjà cassés. C'est les premiers. Pourquoi ? Ben, un poteau qui est court. Lorsque le bâtiment se déforme, il y a des poteaux qui sont longs, ils se déforment. Mais les poteaux longs, ils résistent. Ils peuvent se déformer, mais les poteaux courts, s'ils se déforment autant, la déformation relative est une fois plus grande. Et donc, ils se cassent immédiatement. Ils ne peuvent pas supporter les contraintes. Donc, il faut les traiter, les poteaux courts, à l'avance. Vous avez un poteau court, regardez les poteaux courts Al-Husseima. Vous avez ici de petites fenêtres. Ça casse, partout. Voilà, poteau court. Là, c'est après une réplique. Le séisme a eu lieu, les briques sont tombées, après il y a eu une réplique, paf, poteau court. Et c'est formé après le séisme. Bon, alors ici, j'ai pris ça dans le rapport de M. Clough, dont j'ai parlé tout à l'heure pour Agadir. Il explique très bien. Par exemple, là, à gauche, vous avez une mezzanine, et elle est agrandie à droite. Et cette mezzanine a coupé le poteau en deux, la longueur du poteau en deux. Et là, il y a les dommages. Ou bien sur une pente, les poteaux en haut sont plus courts que les poteaux d'en bas. Ça aussi, ça se cisaille. Voilà, alors je n'ai pas cité tous les il y a des livres et des livres sur l'architecture parasismique, et j'ai pris les deux exemples qui sont très courants au Maroc et qui ont causé énormément de dommages. Alors vous avez ce qu'on appelle en anglais soft story, enfin transparent, je ne sais pas d'où, c'est les locaux commerciaux en bas qui sont plus hauts que les autres. Ça, c'est très vulnérable au séisme. Donc, ou bien changer l'architecture future du Maroc, ou bien, bon, il y a évidemment, on peut les renforcer. Il faut renforcer ces poteaux-là pour qu'ils résistent. On ne les dimensionne pas comme le reste des poteaux. Ah, pardon. Et puis, il y a... Voilà, donc je voulais vous montrer. Voilà deux bâtiments, justement, soft story, là. Le premier s'est effondré. Vous remarquez que celui qui est à côté ne s'est pas effondré. Vous savez pourquoi ? Parce que les portes étaient fermées. Donc, il fallait juste quelque chose de vraiment très petit pour que... Donc, c'est la vulnérabilité des bâtiments. Ce n'est pas la force de séisme au Maroc. Voilà, ça, c'est un exemple. Ça fait un... Donc, c'est la dernière, vous êtes bien tombé. C'est le séisme en Turquie. Et alors, je voulais juste vous montrer ça quand même. Après le séisme d'Al-Husseima, on a essayé de réparer justement le soft story. Là, on a agrandi les poteaux pour qu'ils respectent les règles. Mais ce qu'on a fait, j'ai fait un zoom dessus. Voilà le zoom à droite. Ils ont créé en fait un poteau court. Là, et donc on l'a réparé, mais en réalité, lorsqu'il y aura un séisme, c'est comme si on a rien fait. Donc voilà, alors je conclue. La maçonnerie, 5 règles, sauf pas mal de choses. Le béton armé, 5 règles, à notre avis, sont suffisantes pour limiter les dégâts. Et si cette technologie se généralise dans tout le Maroc petit à petit, c'est ça notre philosophie, Inch'Allah, il faut que tout le monde apprenne ça. Ça réduit considérablement les risques et donc ça permet à l'État de faire face à ce genre de... Merci beaucoup, Monsieur le Président.